deux là, les capteurs, pardon, j'ai personne en massage. Je suis foutu de vous disqualifier de votre course du moment gagné, les gars. Jaïs Amirol, 1, c'est bon. Emeline, 3, c'est bon. Là-haut, on a. Je ne sais pas voir qui c'est, mais c'est bon. On se dépêche, les ramasseurs, s'il vous plaît. On a une grosse remise de prix à faire, parce que nos sponsors ont été hyper généreux. Et tout le monde va repartir avec un cadeau. Donc merci de faire en sorte que la finale commence le plus possible. Je veux voir tous les ramasseurs. Allez, le numéro 6 là. Voilà, Nicolas en place, tout le monde tape. J'arrive, t'es ramasseur numéro 2, pardon. Numéro 2. Le 2, c'est Axel, ouais. Axel, t'es ramasseur, mon fils. Un volontaire du club, hop, hop, hop. Axel, Axel, tu y vas pas. Un volontaire du club, s'il vous plaît, au poste 1. S'il vous plaît. Rapidement, il faut quelqu'un au poste 1 au fond là-bas. Axel est trop petit pour ramasser le. Allez, on t'attend Philippe et on peut faire. 4, 8, allez, vous restez au stand. 2. Les gars, vous restez au stand. Vous rentrez. On fait un tour de formation. Vous savez toutes les puces. J'ai vu toutes les puces, c'est bon. Comme tout ça. On va aller en grille. Attendez un peu, on va aller en grille. Un petit coup de balai sur les numéros, s'il y a quelqu'un de front qui est disponible, laisse tomber. Allez. Tout le monde est là, il reste deux voitures à rentrer. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de mettre un coup d'arrosoir. De la poussière. C'est pour le départ d'une demi-heure. Les mécanos en grille, et après je vais voir sur les planches, en retrait de la zone. Allez, tout le monde en grille. On a 12 retours au départ et les plus fines gâchettes du championnat régional et même du niveau national. Donc ça va être du lourd. Et tu peux lancer le départ. C'est parti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 1. C'est un peu plus propre là-haut, c'est joli parce que c'est pas évident. Attention dans l'air, Jean-Marc, le pauvre qui va partir. Un deuxième, 3, 2, en tête, 6, 1. Jean Delpeau, le Pullman, 8, 6, puis les dragons, ça se respecte au niveau des ordres de départ. Donc. La poussière va être un facteur aggravant pour les pilotes. Attention sur le plateau là-haut. Attention, voiture 11, quand tu reviens, quand tu reviens, tu n'es pas prioritaire, tu le sais. 3, 6, 5. À faute de Julien Latanzio sur la relance. 4, attention à Emeline qui ramasse. Quand elle n'est pas dans sa zone de protection, 4, elle est exposée. 1, allez, sur le plateau, 2, la tête de course là-haut. Jérôme Delcourt. En première position, qui reste premier. Suivi des Noirs Hugon. Voiture numéro 3. Ah, pas de chance. Attention à l'inception de la triple. Lui, attention, c'est mis à la faute. Ah. Attention dans la descente, à la bas qui conditionne le triple final. On a Lucas Ribert. 5. Tu peux la remonter, Didier. Tu la remontes sur la moquette. Sur la moquette. Oui. Merci. 9, 4. Allez, toujours en tête de course. Ah. Jérôme Delcourt là-haut sur le plateau qui descend et le triple qui fait un double et la ligne droite Maxime Noble 2 et Noël Mont 3
remonté tout à l'heure. 2. 8. 4. Et Lisa Hébert avec la voiture et le rond vert qui ferme la marche. 9. 7. Et on est tour. Il prend presque 4 secondes d'avance. Ça c'est pour suivant. Guillaume Hébert, voiture numéro 5. Nous poussons sur le rang. Comme tout à l'heure, il est remonté. Plutôt conséquente. Aïe. Petite erreur ici au dromadaire. Sans conséquence au chrono. 3, 5, 6, 2. Ah, force de Guillaume sur le corner. Au fond là-bas. Oui. Compliqué cette zone. Maxime lui met la pression derrière pour récupérer la troisième place. Il lui a laissé. Oula! Maxime tente le tout pour le tout, mais ça coûte cher. Puisque Julien l'attend toujours en profiter pour passer. Et il casse. Voiture 6. Allez, les gars, Maxime, problème. Les mécanos, vous reculez, s'il vous plaît. Les mécanos sur la planche. Tout le monde. La chaise, c'est pareil. L'attention, monsieur. On recule, merci. Les deux pieds sur la planche. 8. 9. Allez, Jérôme Delcourt en tête. Avec 5 secondes 21 d'avance. Il creuse un peu. Suivi par Guillaume Hébert qui vient de taper la place de numéro 2 à Edouard Rimon. Ici sur le dromadaire. Aïe, Edouard Rimon fait la corde. Et il va attaquer la moquette, triple, puis double. Ah, on a un paquet là. On a 2, 3, 4 dans un mouchoir. Edouard Rigon, Guillaume Hébert et Julien Attanzio au fond du circuit là-bas sur le cône. Avec un dévers compliqué, faute de Guigui, aïe aïe aïe. Il repart quand même. Pas trop de dommage. Allez, il va falloir qu'il remonte Guigui. Aïe. Faute de Julien Attanzio, sans trop de conséquences pour le chrono en sortie du double. Ah. Nicolas Reynaud, qui est 5e à 7 secondes. En 1, Delcourt, 8 secondes derrière, Edouard Rimon. Bon contact, Julien Attanzio. Bon contact aussi, Guillaume Hébert. Au top, 3 secondes. 4. Reynaud Nicolas remonte sur Guillaume Hébert. Allez, Julien Attanzio qui va mettre la pression à Edouard là-haut. Allez, Jérôme Delcourt creuse. 11 secondes d'avance, presque 12. Il est là-haut et il va monter sur le plateau. Gros freinage à la corde et le triple. Un peu trop long. La ligne droite pour le leader. 10. Et maintenant pour le second, la ligne droite. Guillaume Hébert ne tente plus la triple. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, Julien Attanzio a cassé. Sors là de la Jupiter, s'il te plaît. Attention. Pose-la, pose-la là. Pose-la Nicolas, ton rôle c'est de ramasser la voiture. A ce niveau-là, un calage, c'est presque rédhibitoire au résultat. Le devant ne s'attend pas. Le rythme est tellement élevé que les secondes du vide. Allez, Jérôme Delcourt en tête de la course au fond là-bas, qui va rattraper Julien Lopez. Julien dans la parabole, qui va laisser passer la tête de course. Oh, merci. 6, 2. Allez, le leader attaque la ligne droite. Son poursuivant est à 12 secondes 46. À moins que Guigui ait pris la place d'Edouard, maintenant. Quatre. Non, c'est pas celle-là, pardon. Edouard est là. Voiture numéro 3, verte et rose. Julien Attanzio est revenu de son calage.
Robert, toujours troisième, à 12 secondes. 3. Éloire. 5. Nicolas Reynaud, quatrième, à 7 secondes de Guillaume. 2. Denis Balès n'est qu'à 4 secondes de la cinquième place de Jean-Marc Lachaise. 6. Et mes Carlos, une fois que vous avez fini le ravitaillement, vous remontez. Allez, c'est la valse des ravitaillements. 4. 1. Et toujours en tête, Jérôme Delcourt. 13 secondes, 58 d'avance. 3. Ouais, c'est beaucoup moins que ça maintenant. Ouais. Que je vois. Ouais. Je vois Edouard par ici, donc c'est 6 secondes 40 d'écart. J'ai pas suivi ce qui s'est passé, mais ou c'est le plein qui a été plus grand, ou il y a eu une faute de Jérôme Delcourt qui va se retrouver avec la pression. Et non, c'était le plein. Voilà, c'était le plein, puisque Edouard numéro 2 rentre au plein maintenant. Et donc les écarts vont redevenir ce qu'ils étaient. Sauf que Guillaume Hébert va peut-être recoller un peu moins de 10 secondes d'écart par rapport à Hugo numéro 2. Hugo sous la boucle, vert et rose, numéro 2. Seconde position en tout cas. Et Guillaume Hébert maintenant. 5, 9. Hébert Hugo, 4 secondes d'écart. Pour la 3 secondes place. Devant, Jérôme Delcourt est à 13 secondes 90. De la mécanique là. Hop là. Sur la flèche s'il vous plaît. 3. Allez. Ah, porte des Orions là-haut. Non. 5. C'est pas une voix. Allez, j'en ai le cours sur la triple qui va attaquer. 9. La ligne droite de son 16e tour. 5. Avec 13 secondes d'avance sur son poursuivant qui monte sur le plateau à son tour, c'est Edouard Hugo, voiture orange et verte. Guillaume Hébert est à 5 secondes de la seconde place. Nicolas Reynaud est à 14 secondes de Guillaume Hébert pour le gain de la troisième place. 3, 2, 8. Ah, faute de Nicolas Reynaud. Attendez à voir arriver le leader derrière lui. Oh, putain de merde. 5, 4. Merci, Lucas. Hein. Attention sur le plateau là-haut. Allez, en 1, Delcourt, 15 secondes 96 devant Edouard. Hébert, 3, Reynaud, 4, Latanzio, 5, Lachaise, 6, Denis Balès, 7, Maxime Noble, 8e, Olivier Thomas, 9e, Lucas Hébert, 10, Franck Lévesque, 11, Julien Lopez, 12e. Attention. Attention sur le plateau là-haut. 5. Oh là, Franck. On va manger le poteau. Bien fort. Allez, le leader sur le triple. 6. Au plein. 9. 4. 5. Allez, Guillaume Hébert, troisième position au plein. 3 secondes de l'or seulement. Ah, et il colle. 3. Aïe, aïe, aïe. Gigi. 8. A pu repartir. Jérôme Delcourt à Calais. 5.
Ça a changé. Bon, on est dans les basculements de ravitaillement. Pour moi, c'est Edouard Hubert en tête, mais il n'a pas ravitaillé. Guillaume Hubert, lui, vient de ravitailler et il est second. Ah, on va attendre un peu. Ça se stabilise. Il semble pas que ce soit une bascule. On a bien Edouard Hugon en tête. Ah si si, 17 secondes de Guillaume Hébert, c'est bien ça. Même si Guillaume a calé, je pense qu'on a encore Edouard qui doit passer au plein. Renault Delcourt, c'est la bataille pour la 4e place. Renault 3, pardon. Delcourt 4. Dans le même tour, à une seconde d'intervalle. Autant dire, rien du tout. Ouh, une belle intérieure de Delcourt à sortie du double. C'est Reno qui passe donc troisième sur la boucle. Guillaume Hébert est second. Et Edouard, apparemment, qui a bien fait son ravitaillement. Donc qui est en tête avec 20 secondes d'avance. Delcourt à 1 seconde 40 derrière Hébert. Et là, en bout de ligne droite. Allez. Je vais pouvoir faire l'effort. Merci Maxime. Maxime qui a eu des soucis. Il est 7ème. 1, 6, 4. Mais à seulement 3 secondes de Jean-Marc. Maxime, 3 secondes pour nous de Jean-Marc. Edouard, 14 secondes devant Guillaume Hébert. Celui de Delcourt. Là-haut sur le plateau. 9. Erreur de Jean-Marc. Apparemment, Maxime est allé sur le Jérôme, donc Jérôme a fait le poste. Les mécanos reculent. Ok, ceux qui sont concernés, ça va. 5. T'es concerné ? 6. 4. Allez, Edouard Hopin, donc c'était bien ça, il fallait dire qu'il y a un poste, il y a un décalage. Il y a un décalage à tête de course au plein, 13 secondes d'avance. Est-ce que ça va suffire pour que Guillaume Hébert ne le rattrape pas? Guillaume est en haut là-haut sur le plateau, ça suffira pas. Ça suffira pas pour combler l'écart. Le leader est reparti. Et donc on va avoir un bon 8 secondes d'écart. Là, la tête de course passe maintenant sur la boucle. Voici la rouge inerte. Le pif-paf et la grande accélération. Le second est dans la moquette. Et part sous la boucle maintenant. D'ailleurs, Olivier Coman, quand tu vas avoir la prochaine qui te rattrape, ça sera le second. Il faudra le laisser passer. Delcourt, toujours troisième, à 8 secondes derrière Guillaume. Et avec Nicolas Reno à 3 secondes derrière. Ouh, superbe saut de Guigui là-haut. Allez, tête de course sous la boucle maintenant. Guillaume Hébert est à 7 secondes, on va voir si ça réduit. 7,26, ça réduit un peu. Il a le bouton de dedans. Guillaume, au fond du circuit là-bas. Voiture bleue, jante jaune. Autour des arbres là-haut. Hop, épingle qui descend, épingle qui remonte. Ça c'est le second. D'ailleurs, Franck Lévesque, tu seras sympa de laisser passer Guillaume quand il va te rattraper. Non, c'est Déby, pardon, autant pour moi. Déby, pense à Guillaume qui te suit. Bon, va ouvrir. Merci Lucas. 5. Cachant le sourire par Maxime Noble sur le plateau là-haut. Je crois que c'est la première qu'on voit dans la journée. Non, c'est Julien Attangio. 4 6 3 6 8 2. Allez, en tête Edouard Hugon, 6 secondes devant Guillaume Hébert. Voiture numéro 5. Jérôme Delcourt est troisième à 7 secondes. Faute sur la ligne droite. Aïe aïe aïe. Attention les doigts. Attention Nicolas Reno.
Et du coup, Renault repasse devant Delcourt pour la troisième place. 7. 9. 12. 4. 1. On a des pilotes qui sont plutôt dans le haut du panier du championnat de France. 6. Dont certains issus des ligues voisines entre Marseille et Bordeaux. Et pour la plupart, de notre ligue régionale, la ligue 14. 3. Allez, la chaise, Renaud Delcourt, toujours pour la troisième. Dans un mouchoir. 5. 9. On a Jean-Marc Chaise à 7 secondes de Bastien Noble pour la sixième place. Mais Jérôme n'est qu'à 5 secondes de la seconde place de Guillaume Hébert. Ah, Julien, attention qu'il y a un problème là-haut sur le plateau. 8. 3. Guy, qui a eu super chaud sur la droite. Merci. 5. Ah, faute de Delcourt sur la boucle. Alors qu'il était repris à 4 secondes d'Hébert. Thomas, laisse passer les cours, merci. Oh, faute de Renault. Il laisse passer la troisième place. Ah, Jérôme Delcourt, qui n'a pas d'autre solution maintenant que d'aller chercher Guillaume Hébert. À 4 secondes de la nuit. Et il reste 10 minutes. 10 minutes 50. Rien n'est joué. Tout est toujours possible dans le modélisme. On peut caler, on peut casser. On peut faire des fautes. Hein. Il ne faut jamais rien lâcher. Allez, l'écart entre Delcourt. 4. Et Guillaume est repassé à 6 secondes. Derrière, Prélo à l'affût, 3 secondes. Derrière Delcourt. 6. Guillaume là-haut sur le plateau, le second de la course. Qui fait le faute et qui s'en sort très bien en sortie de triple. Mais Delcourt, lui, voilà, il aura raté une demi-seconde, puisqu'il est très bien passé. 3. Toujours en tête Edouard Hugon, 31 tours. 8 secondes devant Guillaume Hébert. Delcourt à 2 secondes d'Hébert. Allez, les 3 premiers, on est dans 10 secondes là. 1, 2, 3, 10 secondes. Le 4e, Nicolas Renault, est à 4 secondes du 3e. Et ensuite, on n'est plus dans le même tour. Les 4 premiers sont dans le même tour et dans la même poignée de quinzaine de secondes. Ça y est, Delcourt revient. Delcourt revient au contact de Guigui. 3. On est sur la moquette. Guillaume, le second sur la moquette. Oh, joli, Renault bien négocié. Aïe, 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 forte. Guillaume. Attention là-bas sur la relance. Ça y est, Delcourt est repassé second. Au détriment des Verts. Là-bas, sur la parabolique du pont, autour des arbres. Delcourt et Hébert, deuxième et troisième de la course. Alors que Edouard Hugon est 10 secondes devant. 6. 9. Allez, Delcourt est plein. Ça rentre assez compliqué dans les stands. Allez, Guigui, ça sera son tour le tour prochain. Allez, pas trop mauvais ravitaillement pour Delcourt. On joue le podium là-dessus. Renault n'a rien dit encore, mais il est toujours là, à 5 secondes 76 Delcourt. Ça va changer puisqu'il n'est pas encore rentré au centre. Ah, Renault cale. Nicolas Renault vient de caler, il était 4e à 5 secondes. Donc Maxime Noble va pouvoir récupérer sa 4e place. Allez, Hugon, 10 secondes devant. Mais c'est Guillaume qui repasse les deux. Hop, Guillaume, un problème dans la double. Oh là 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 là. Guillaume, problème dans la double sur la moquette. Quel pour faute. Hop là. Allez, Edouard Hugon, à 5 secondes d'avance. 6.
On n'entend pas trop crier, ça veut dire que les dépassements des retards à terre sont plus du tout sans trop de difficultés. 3, 8, 7. Lucas Ribert, il est 9e, il rentre au stade. Il est à 24 secondes de son prédécesseur, Denis Balès. Leader de la course au plein avec 19 secondes de l'avance, c'est sûr. Jérôme Delcourt, ça ne suffit pas pour passer le vent, c'est sûr. Il ressort des fans, ça y est, on peut en faire 3 secondes sur cette voiture. Comme ça va très vite. Hein. Il reste 7 minutes, c'est peut-être le dernier plein. 5. La stratégie peut varier d'un pilote à l'autre, en fonction des autonomies. 3, 2. Et on a Hugo Delcourt à 19 secondes. Attendez, il va falloir pointer. Maintenant, le second passe sous la boucle. Il est à 13 secondes. Maxime Noble, il est pris dans le même tour. Hop là, Guillaume est en panne. Guillaume Hébert, qui était quatrième, va certainement abandonner sur casse. Il a pris la transmission sur la voiture, Guillaume. Elle court toujours à 15 secondes du leader. Maxime Noble, un tour et 17 secondes. 9, 1. Maxime Noble est passé 3e. Julien Lopé sur un Maxime derrière toi. Il faudra qu'il laisse passer. Ça c'est tout seul. 6. Jean-Marc Lachaise est en poursuite de Julien Attanzio à 4 secondes pour la 4e place. Là aussi, rien n'est joué. Ils ont dû avoir le problème tous les deux. Et ramasseur, s'il vous plaît. Delcourt est à 11 secondes d'Edouard Hugon. Rien n'est joué. Hop, faute. Attention sur le triple. Julien, la tête de course derrière toi. Seuls les deux leaders sont dans le même tour, à 38 tours derrière. On a un tour de retard et 17 secondes pour Maxime Noble. Julien Attanzio est à 6 secondes de la 3e place. 6 secondes du podium pour Julien Attanzio. Et 16 pour Jean-Marc Lachaise. On attend qu'il pointe. 17 secondes pour Jean-Marc qui est monté sur le podium. À condition qu'il se débarrasse de Julien Attanzio. Pardon, on n'est pas sur le podium, on est sur la 4e place. Edouard Hugo, le leader sur la ligne droite. 10 secondes d'avance sur Jérôme Delcourt. Jérôme qui attaque là. On a eu chaud. 10 secondes, c'est rien du tout. 1. 9 secondes 47 d'écart entre le 1 et le 2. Mais Edouard Hugon a le champ libre. Il n'a pas de pilote à rattraper, il y a dépassé. Merci Julien, c'est classe. Il a le champ libre pour quelques tours. Alors que c'est le tour. Ben aussi finalement. Ça sera ce jour-là, il reste 3 minutes et 40. Et 9 secondes 47 et 40 entre 1 et 2. Derrière on se bat à 4 secondes. Hop, 10 secondes. Là, Tanjou pourrait monter sur le podium. S'il arrive à récupérer les 10 secondes qui le séparent de Maxime Noble. Jean-Marc Lachaise est à 14 secondes. Julien Attanzio, on attend qu'il passe la boucle. Jean-Marc a cassé. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire la place à Denis Balès. Qui était dans le même tour que Jean-Marc. Et ça devient compliqué. Il est temps que ça se finisse, 3 minutes de la fin. Allez, allez. Diminue, la poussière est toujours là. Ça commence à piquer aux yeux. Attention dans la relance au fond là-bas. Attention. Le plat. Aïe, aïe, aïe. Maxime Noble qui était 3e à 22 secondes.
vient d'avoir un problème, il n'avait que 9 secondes d'avance sur Julien Attanzio, donc ça va faire la part belle à Julien, qui va pouvoir rentrer sur le podium, et peut-être regarder, puisqu'il reste que 2 minutes 40 de course. Hugo Delcourt, noble mais noble en panne, on attend l'Attanzio. On attend l'Attanzio sous la boucle, pour une éventuelle 3ème place. Eh oui, l'Attanzio passe 3ème. Et Maxime va descendre au fur et à mesure, tant qu'il ne reprendra pas la piste. Oui. Jean-Marc est à nouveau en piste. Et il a raison, il est à 2 secondes seulement de Lucas Ribert qui est 6ème. Bon, alors ça change dans tous les sens. C'est la première course, la mécanique fatigue, les pilotes aussi. Visibilité est mauvaise. Delcourt à 10 secondes de Noir Hugo. L'Attanzio ne pourra pas revenir sur le premier, c'est sûr. Maxime Noble est reparti. Il a mis une belle avance. L'Attanzio 3ème à 32 secondes. Ah oui, on n'est plus tout le même tour. C'est Demi qui va remonter 4ème maintenant. Oui. Lucas Ribert est 6ème. Il n'a que 3 secondes d'avance sur Jean-Marc Lachez. Il reste 1 minute 18. Delcourt à 8 secondes d'Edouard Hugo. 8 secondes. Allez, Lucas, ne lâche rien, parce que tu as le Lachez au cul qui va vouloir. Aïe aïe aïe, faute de Lucas Ribert qui laisse donc passer Lachez Jean-Marc devant lui pour la 6ème place. Donc tu vas tomber 7. Mais Maxime, je sais plus où il est, Maxime. Il avait vraiment beaucoup de tour d'avance. Il est out, donc il va laisser sa place. Il avait beaucoup de tour d'avance, mais voilà, ça y est, ça bascule. Lachez 5, Ribert 6, à 3 secondes. Hugo, Delcourt 4 secondes derrière Hugo. Allez, c'est jouable encore pour le podium, la première marche. Delcourt en poursuite de Edouard Hugo pour les 30 dernières secondes. Ça sera plus jouable, il reste 9. Trop peu de temps. 5 secondes 51 les sépare. Sauf une grosse faute qui peut quand même arriver. Et non, c'est Delcourt qui l'a fait la faute. Hugo, Delcourt 5 secondes. L'Attanzio les suit à 34, c'est mort. Denis Balès n'est plus dans le même tour. Jean-Marc Lachez est à 15 secondes de Denis. Ribert Lucas à 3 secondes. Voilà, c'est là que ça peut se jouer. Lucas peut rentrer 5ème. Terminé pour la 2, terminé pour la 3. Terminé pour la 3ème. Terminé pour la 1, terminé pour la 9. Allez Lucas, il va faire une fois sur le 3ème. Non, et non, allez c'est mort pour toi, tu peux pas rentrer 6. Terminé pour la 8, terminé pour la 10. Si tu rentres 6, tu peux pas rentrer 5 par contre. Allez, le leader qui finit son dernier tour. Voilà, victoire d'Edouard Hugo. 1-2, Jean Delcourt à 7 secondes. Julien Attanzio 3ème. Denis Balès 4ème. Lachez Jean-Marc 5. Ribert Lucas 6. Maxime Noble sur arrêt 7. Franck Lévesque 8ème. Julien Lopez 9ème. Olivier Comatis. Merci messieurs, joli spectacle. On a 10 minutes de retard sur le timing, c'est pas dégueu, on a pris le temps. Bravo à tout le monde, merci pour le spectacle, on s'est régalé, j'espère que vous avez pris plaisir autant que moi, en tout cas. Et la prochaine fois qu'il fait sec, parce qu'on n'est pas habitué, c'est la première course sur le sec, on arrosera. Le tour, il est en un sens de... Il peut se lâcher la radio.
suis rentré là, je leur ai dit là, après tu. Ils l'ont branché, je suis reparti, j'ai calé. Prochaine fois.